Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de juin 2023 pour les balances. Signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus et autres planètes en balance, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, dans un premier temps, on va prendre le Guildit Tarot de Chiromarketti pour voir vos énergies, les messages qui se dégagent. On entre en mois de juin, le mois 6. Donc le mois 6 peut être synonyme de réussite, de victoire, beaucoup plus de simplicité, d'aisance dans les communications, les échanges, les relations pro, perso, familiales. Donc c'est un chiffre très positif, hein, si vous avez fait le travail nécessaire en mois 5 et même auparavant. Si vous avez effectué ce qu'il fallait, si vous avez planté les bonnes petites graines, vous pouvez récolter en mois 6 au mois de juin. Allez, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes hein, pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants. Et bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à toutes les balances. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt, ce qui résonne, laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est pas une guidance privée. Si c'est ce dont vous avez envie et besoin, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site ou autre. Vous m'envoyez un petit mail. De préférence, hein, pas sur les réseaux, par mail ou sur le site. Ce sera bien plus pratique pour moi, s'il vous plaît, que j'en ai pas de partout et que je puisse vous répondre plus vite. Alors, pour les balances, les balances, les balances. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes en pleine forme, hein, c'est le plus important, ainsi que vos proches. Et voilà, bon, on a un message qui saute, et pas des moindres. Message important, arcane majeur, leçon de vie, hein, moyen long terme. Donc, on démarre le mois de juin pour les balances, là, sous de bonnes augures, hein, avec le magicien, le numéro 1. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Donc deux rois là, que je dise. Oui, voilà, deux rois. Roi d'épée, roi de coupe. Alors, on a un arcane majeur et un as en plein milieu. Super. Alors, donc comme je disais, les balances, on attaque le mois de juin avec des belles énergies, les énergies du magicien. Donc vous êtes probablement en train de reprendre du poil de la bête. Vous avez probablement confiance en vous, en vos ressources, en vos compétences, en vos capacités, parce que il faut. Là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, quand il faut, comme il faut pour réussir, pour créer la magie dans votre vie, pour vraiment prendre le pouvoir, reprendre le pouvoir et démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose. N'oubliez pas cependant hein, de prendre soin de vous. On agit, mais pas à la brutasse, n'importe comment. Désolée, je vais éternuer dans pas longtemps. Voilà. Désolée. Donc, pour construire quelque chose de plus sain, de plus stable, de plus plaisant, on vous demande de croire en vous, bien sûr, mais aussi de vous accorder des temps de pause, de repos quand vous en avez besoin. Parce qu'il y a peut-être eu dans les semaines précédentes, dans les mois précédents, des événements, des choses qui ont fait que vous avez besoin aujourd'hui de recharger les batteries, de prendre votre temps doucement et sûrement. Hein, qui va piano, va sano. Les énergies générales, vos énergies générales du mois de juin, les balances, c'est le chevalier d'épée. Donc, voilà, c'est exactement ça. Donc, le chevalier d'épée, des fois, il y va un peu à n'importe comment, à la brutasse. Trop d'impulsivité, trop de rapidité. Voilà, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce qu'on vous demande ici. Plus vous essaierez d'aller vite et plus vous serez ramené en arrière parce qu'il y a un moment pour tout. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc là, vous avez des idées. Elles sont bonnes. Et vous savez qu'elles sont bonnes pour vous. Et vous avez envie de les mettre en place, de les organiser, de les faire émerger.
Ok, super, très bien. Il y a des idées. Les épées, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est les idées. Il y en a, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. On est content. Mais attention à bien structurer, préparer, organiser les choses, le terrain, pour créer la magie dans votre vie. Sinon, vous allez vous épuiser inutilement. Créer de la fatigue, générer des maux, des symptômes qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on n'en a pas besoin. OK? Donc faites attention au mois de juin à ne pas vous précipiter, aller trop vite, même si vous êtes très excité, très motivé. Ce n'est pas ce qu'on vous demande là pour l'instant. Vous êtes capable de prendre les bonnes décisions pour vous, d'acter, de trancher, de décider, de vous imposer tel un roi. Il n'y a pas de souci. Mais chaque chose en son temps, calmement et fermement, on s'impose. Ok? Alors, super, en plein milieu, on a l'as de coupe. Donc, un as, un nouveau départ, hein, qui corrobore l'arcane numéro 1, le magicien. Donc, oups, ça y est, je fais tout tomber. Donc, l'as de coupe, c'est un grand bonheur. C'est un nouveau départ qui parle à votre cœur, qui fait très plaisir. Ok, on a beaucoup d'harmonie, là, beaucoup de joie. Donc peut-être une proposition, une opportunité qui parle à votre cœur, qui vous fait extrêmement plaisir. Peut-être vous mettez en place quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir et qui vous apporte beaucoup d'abondance au niveau des émotions, mais pas que, hein. Ceci dit, il faut faire un choix. Encore de l'épée, c'est un 2 d'épée. Donc après cette idée de nouveau départ, avec cette idée de nouveau départ, il va falloir lâcher du lest au niveau du mental, il va falloir vous débarrasser de certaines croyances négatives qui ne vous conviennent plus, qui ne vous servent pas. Il faut peut-être voir les choses sous un autre angle, différemment, arrêter de vous voiler la face, de vous bercer d'illusions pour certains, certaines, et prendre la décision qui s'impose pour faire ce qui est bon pour vous, pour acter ce qui est juste et bon pour vous. Ok? Et prendre votre place comme vous le devez. Vous avez peut-être des limitations dans votre esprit, dans votre mental inférieur. Vous avez peut-être des doutes, des craintes, des peurs conscientes et inconscientes. Bon, bah, c'est normal, on est des humains, on n'est pas des robots. Mais il ne faut pas trop écouter votre mental inférieur parce que l'ego cherche à vous protéger, à vous faire rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Pour ne pas évoluer, ne pas changer. Bon, ben on essaye de ne pas faire ça. Ok? On essaye de transcender le mental inférieur, de se connecter à son moi divin, de voir les choses telles qu'elles sont, les gens tels qu'ils sont, et de pouvoir se dépêtrer du brouhaha mental. Parce que si vous faites ça, on peut aller vers quoi? Encore un 10, 1, et c'est du Pentacle, donc c'est de l'abondance. C'est votre challenge du mois de juin, le 10 de Pentacle. C'est d'arriver à ouvrir le champ des possibles, à ouvrir les vannes. Mais encore une fois, vous voyez la petite tortue qui va piano bassano, doucement et sûrement. Vous pouvez accéder au nouveau départ, à l'abondance, à la joie, à l'argent, une amélioration du confort de vie, un gain d'argent. Une augmentation des revenus passifs ou actifs, peu importe la situation. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt, que ce soit pro ou perso, et ce serait quand même dommage de passer à côté. Donc, la fin du tirage, le roi de coupe. Vous pouvez, si vous suivez cette... Comment on va dire ça? Si vous suivez cette voie du doucement et sûrement, vous arrivez à être beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détaché émotionnellement de ce qui vous pesait auparavant, de ce qui vous affectait auparavant. Le roi de coupe, il est dans sa bulle. Il est dans sa bulle de sérénité, de protection. Et il prend sa place, il s'impose et il suit la voie du cœur.
et il écoute ses émotions pour aller de l'avant. Il n'y va pas à la brutasse, il y va calmement en écoutant son cœur. Bon, ce sont des belles énergies, il y a du beau potentiel pour vous les balances. On va prendre le Guildi de rêverie, le petit le normand, pour les balances, pour juin 2023, pour avoir des précisions, des confirmations, des messages, guidances, pour le mois de juin, pour les balances, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, en dos de deck, on a la... J'allais dire la faux, non. Le fouet. Alors, on reçoit des nouvelles où il y a des démarches administratives en cours. On apprend des choses. On fait des découvertes, une ou plusieurs découvertes, sur le chemin pour débloquer une situation. Peut-être on vous apporte hein, une bonne nouvelle. On vous apprend quelque chose pour débloquer une situation au niveau pro, pour vous qui êtes une femme, ou bien cela vient d'une femme qui est proche de vous. D'ici la fin du mois prochain, donc d'ici la fin du mois de juillet, vous pouvez vraiment recevoir des bonnes nouvelles et potentiellement débloquer une situation au niveau du travail. Voilà, on vous apprend peut-être une vérité, un fait, des nouvelles par écrit probablement qui peuvent venir de loin. Pour vraiment améliorer votre situation professionnelle, pour éclaircir la situation, bon, le soleil vient éradiquer les difficultés, donc c'est vraiment cette nouvelle, cette découverte, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de réaliser, entreprendre, réussir dans le domaine pro. Si vous attendez une réponse, c'est positif. Si vous avez entamé des démarches, c'est positif. Positif. Si vous recevez une proposition, c'est positif. C'est une proposition sérieuse et engagée qui va venir débloquer un statu quo, une stagnation, une attente, quelque chose qui était peut-être bloqué jusqu'à présent. Donc peut-être pour un nouveau contrat de travail, un avenant, une promotion, une mutation. Bon, bah, le choix est vôtre, hein, bien sûr. Pour cette nouvelle direction, vous avez toujours le choix. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas? Vous pouvez solliciter de l'aide ou vous recevez de l'aide par rapport à cette problématique. Hein. Voilà. Bon, cette situation qui se débloque au niveau pro, ça peut générer un déménagement, mutation, expatriation du mouvement physique. Donc c'est pas toujours évident hein, parce que ça va changer un peu la vie. Hein. On va dire ça comme ça. Ça va éviter de tourner en rond, quoi. Et peut-être briser un schéma répétitif négatif. C'est pas recouvrir lui. Donc analysez les choses, réfléchissez, bien sûr, mais attention, pas pendant 10 ans non plus. Là, il y a une notion pour certains, certaines, d'acquérir ou d'approfondir des nouvelles connaissances, peut-être pour un nouveau job, une nouvelle étape professionnelle, ou bien vous repartez en formation, ou bien vous formez. Vous êtes peut-être coach, formateur, enseignant, instit, vous travaillez peut-être avec les enfants, ou bien pour instruire, éduquer les autres, coacher les autres. Oui, il y a une offre. Hein. Il y a une offre pour sortir du labyrinthe, là. C'est un peu flou, peut-être, pour l'instant. Ben, ça ne va pas durer pendant 10 ans. Hein. Ça va s'éclaircir. Ça va se positiver. Et ça va bouger. Hein. Préparez-vous, reposez-vous, rechargez les batteries. Parce qu'une fois que ça va prendre forme
et que ça va s'acter, ça va bouger, hein. Il va falloir faire les cartons, les valises, il va falloir bouger, déménager, hein. En tout cas, c'est peut-être aussi un job avec des déplacements, des trajets, des voyages, si ce n'est pas un déménagement. Mais il y a de l'action, il y a du mouvement, là, il y a de l'énergie yang, hein. Et c'est ce que vous attendez, hein. Ce que vous attendiez ou ce que vous attendez, hein. C'est l'univers qui répond à vos attentes, là, à vos souhaits, à vos demandes, hein. Alors, on va prendre l'oracle de la flamme d'Anka pour les balances. Pour les balances, juin 2023, on va prendre trois cartes, trois messages pour... Oula, il y en a beaucoup là. Regardez déjà celle-là. Trois messages pour voir ce qu'il y a à guérir, à comprendre, à intégrer. Mais dis donc, c'est la débandade là. En ce mois de juin, transmuté. Donc prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, si ça vous parle pas, je vais y arriver. Laissez de côté. Hein, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas. Eh ben merci. Allez, en dos de deck, on a lien non profond. Ok. Donc, relation toxique, 19. Promesse non tenue, 25. Et peur de l'engagement, 8. Alors, hop, hop. Donc 19, 10, 1. Voilà, pour un nouveau départ, il faut couper les liens toxiques, négatifs, qui vous alourdissent, qui vous pèsent, qui vous encombrent, au niveau pro, au niveau perso, lieu, situation, job, partenaire, ex-partenaire, etc., etc. C'est très important de ne pas nager dans des énergies négatives et de bien alléger le passé. Promesse non tenue. Bon, bah, peut-être que vous avez été déçu, trahi, lésé, bercé d'illusions, on vous a peut-être menti, que ce soit pro ou perso, hein. Et bah, maintenant, voilà, il y en a marre, basta, hein, on fait ce qui est bon pour soi et on passe à autre chose, on coupe, on tranche, on coupe. On choisit le bonheur et on choisit de passer à autre chose. On peut toujours choisir. Et peur de l'engagement. Bon, peut-être que vous avez du coup peur de vous réengager pro ou perso, mais ça ne doit pas vous empêcher d'être heureux et de faire ce qui est bon pour vous. C'est pas parce qu'on vous l'a fait à l'envers une fois qu'on va vous la refaire à l'envers. Donc, nettoyez vos énergies, vos chakras et osez passer à l'action, faire ce qui est bon pour vous. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est très important. Faire place nette pour le nouveau, le meilleur, parce que la vie veut le meilleur pour vous. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle, les balances, que ça vous aide, hein, que ça vous apporte des réponses. C'est le but. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, parce que ben, j'adore vous lire, vous le savez. Retrouvez-moi sur les réseaux pour plus de contenu sentimental et astro. Vous savez où me trouver si vous avez envie d'une prestation privée avec moi. Rendez-vous sur Patreon si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez me soutenir encore plus. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Bon mois de juin et namasté!